I wanna kiss you. If I could, I'd miss you, babe. Mais quoi? Hey, vous datez? Ça va? Ben, ça va. Enfin, je crois que j'ai le Covid, mais ça va. Je vais prendre une douche et on parle après parce que là. Ah, ça fait bizarre, j'adore. Ça m'a marqué. Devinez qui est malade. Genre, j'ai Covid. J'ai tous les symptômes, mais ça me saoule. On allait au concert de Lady Gaga. C'est le moment, ça a commencé. Je pense que je l'ai chopé là. En même temps, c'était samedi, là on est genre jeudi. Ouais, ça c'est en fait. Oh merde. Pour de vrai, j'ai vraiment envie de pleurer. J'ai pas envie de l'avoir. Non, après, je pense que c'est juste un rhume parce que j'ai. Enfin, est-ce que je le dis? Ouais, enfin, j'ai la chiasse quoi. Bon, allez, j'ai pris la caméra pour rien dire. Bonne nuit, on se revoit demain si je suis pas mort. Je touche quand même, hein. Parce que bon. Salut! Ça y est, on reprend les vlogs quoi, c'est y part, c'est parti. Alors par contre, le premier qui me dit, on est en août, c'est les vlogs d'août de la situation. Vraiment, nickel. Bon, genre, ok, elle fait des vlogs tous les jours en août, les vlogs d'août, j'adore. Léna, tu passeras pas par là, mais j'adore. Mais, mes trucs s'appellent pas les vlogs d'août, moi c'est juste des vlogs que je fais tout le temps. Ok? Ok. Putain. Une chaleur à Paris, là c'est la clavicule. Moi j'en peux plus. Clairement là c'est un peu dur. J'ai chaud de la chatte. Bon du coup oh, c'est dégueulasse. Je suis un peu malade, hein. Attendez. Mais en gros je viens de manger, je suis à Paris. Là je suis à Paris pour 2 semaines. Enfin là ça fait déjà 1 semaine. Enfin, après le programme d'aujourd'hui est un peu enfin... Ah putain mes phrases elles sont pas. Qu'est-ce que c'est? Mes phrases elles sont pas folles. Attendez. J'ai plus l'habitude de vlogger, je suis stressée quoi. Et bah en gros ce soir il y a Maëva et Delia qui viennent à la baraque quoi. Mais sinon le restant de la journée bah c'est dimanche je crois. Donc bah j'ai pas à travailler, je vais faire du montage, passer un petit coup d'aspi, puis voilà quoi. Mastanto. C'est la reprise des vlogs et la semaine prochaine, à partir de demain, il y a Lison et Apolline chez moi. Du coup ça va être rigolo. Let's go, crazy crazy tous deux, chaud. Non c'est les vlogs. Ouais non t'en as fait depuis longtemps. Oui, voilà, merci. Mais les vlogs tout ça commence quand même après-demain. Oui mais je suis pas allée dans la situation. On dit bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Regardez comment elles sont bronzées, enfin pas elles mais toi. Bientôt moi, toi. Je pars demain, là. Après demain. Putain. Tes cheveux Maëva. C'est rare. On va lui épiler les gambettes. Allez. Je vais raconter un peu ma vie autant qu'il se passe pilates. Je vais en vacances. Je vais en Guadada des Guadada. Bon les gars du coup j'ai pas du tout vlogué aujourd'hui. J'ai perdu la main, j'ai plus. Il est genre 20h10. Comme vous pouvez le voir je suis habillée. Je vous montrerai mon outfit en bas. Parce que maintenant il y a des miroirs dans mon hall. Mais du coup là je vais chercher Lézan et Apolline. Parce qu'elles viennent passer 1 semaine à Paris avec moi. Je crois que je vais être un peu en avance mais c'est pas grave. En vrai c'est grave basique hein, mais c'est juste pour aller les chercher. Il fait une chaleur de pute à Paris. J'ai mis une chemise, c'est celle que je me déterme toujours. On voit pas mais il y a des petits carreaux comme ça. Oh putain c'est transparent. On voit mon caleçon jaune, attendez. Voilà, une chemise, un short de sport. Et ma sacoche là. Et j'ai des Converse mais je les ai pas encore mis. Mes bijoux comme d'hab, je viens de les mettre. Quoique j'ai un nouveau bijou, regardez, Delia qui me l'a offert. Est-ce que ça marche? On voit ou pas? Est-ce que vous voyez? Merde! Allô? Putain j'arrive pas. On voit ou pas? Mais allez voilà, je vais prendre le métro. J'ai la flemme de prendre le métro là. Les gens qui puent. Par contre, j'ai mal à l'oreille. On fait du contenu, on fait. Tu sais plus? Tu sais plus vloguer. Je sais plus vloguer. Vlog pour moi. Tu faisais quoi sur ton téléphone, Apolline? J'envoyais un message à ma maman. Oh non, mes lunettes! Non! Ah non! Oh non! Ah enlève-moi ça des mains! Ah arrête, elle fait caca! Ah non, non mais on voit pas. T'as un mot à dire à la caméra? Montre-nous ton tatouage. Ils vont pas comprendre. C'est un vrai, hein. Regardez, je peux faire ça. Ça bouge pas. Ah non, peut-être pas. Il fait beau. Mmh. It's time to take out the trash. It's time to take out the trash. Je crois que j'ai le Covid parce que c'est au fromage et je sens pas le fromage. En plus, le fromage du Jura, ça sent la chèvre. Le repas de Lison.
pour de vrai, elle mange ça. Ah, le bruit. Je viens de recevoir mon four, j'ai dit 9 litres, que j'ai commandé un 19 litres. Ça m'a jamais rentré. Du coup, en fait, il doit rentrer genre à la place de mon micro-ondes là. Non, mais pour vous, il rentre, pronostic. Non. Ah, j'avoue, je vous filme alors que vous êtes toutes nues. Je flouterai. Non. Unboxing. Ça c'est ouf hein, maintenant ça m'excite les achats comme ça. Ah non mais oui, maintenant je peux passer des heures genre au rayon poil, genre à comparer. Ouais. En vrai ça passe. Ça a l'air Attends, ça a l'air haut. En vrai je pense que ça passe. Les pronostics étaient mauvais, ils passent parfaitement. Vous êtes que des mauvaises langues en fait. Regardez comment on est mimi. On va regarder le vlog de Lena Ririari. On va partir sur un petit vlog de moustache. Son générique moustache. Fermé. Agathe nos moustaches. Moustache. La moustache. La moustache. La moustache. Parce qu'en même temps, je me trouve cute en ce moment avec ma barbe. Ah. Non. Et vous savez que quand je me suis collée la tête sur la fenêtre, j'ai trop une botte énorme. Mais non, elle s'est fait. Ah, c'est cool. Oh merde, on voit grave sa silhouette à moitié à poil. On va tirer un petit peu là. Moi je veux voir. Je suis en stress de ouf. C'est parti, tu te sens prêt? Non mais c'est comme la première fois. On a peur mais il faut y aller. Le t-shirt, le t-shirt. Non. Oh non, fais pas ça. Allez. On va faire le petit avec le book. Ah, le book c'est beau. J'ai pas une très belle peau pour l'instant. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi accroché à côté de ma serviette? Ah c'est une ma serviette pour les cheveux en microfibre. Ça marche bien. C'est super pratique. Parce que quand tu dors avec tes cheveux mouillés comme ça, ça les. Mais j'ai vraiment le même. Ah ouais? C'est un moulinac? Juste vu. En même temps crépus, j'avoue c'est un peu négatif. Moi tu. Non en vrai j'avoue ça dit. T'as pas filmé quand j'ai dit ça. Yeah, on entend juste Ben. Ah bon, je couperai. La moustache ou ça? Le bouc. Genre un peu daddy sexe, tu vois. Mais qui aime le cul. Ah, alors, on dirait vraiment que t'aimes le cul. J'adore. Avec le bouc. Oui, non mais. Franchement, on clique sur le lien là. Hein. Mais tu filmes mon téton là, non? En vrai, comme ça, je trouve que ça fait un peu barbe de 3 jours, tu vois. Genre 3 un peu... jours? Non mais. Oh, c'est l'expression. T'as pas compris. C'est comme ça qu'on dit. C'est un peu de tâche rasée. Le lendemain. Quand ça commence à rater, genre ça quoi. Il nous monte sa bite. T'as un pubis de 3 jours. Les mochi mochi. Oups. Retourne. Non, non. Oh non, le sésame. Oh, ça m'a donné envie de manger là. Moi aussi, tellement les tripotés là. J'aimerais bien mettre ma main dedans. On regarde le film qui fait le plus peur de Netflix à ce moment. Apolline vient de me faire peur, j'ai crié, ça a resté dans tout le quartier. Comme ça. Des quoi? Who? Une baddie. Une baddie, c'est pas ça. No. Tu vois une bad bitch? Ok. A baddie. Alright, hang on, ok. C'est quoi baddie? Ça sent une peine à toi. Ah non, oh ça. Et ça c'est une vidéo maudite. On est normal. On est normal pour la caméra? On est normal? Ouais, on est normal, tu veux dire. Bonsoir. Pas beau, mais genre il y a vraiment dégueulasse. Mais il est pas beau. On a Est-ce vu. Que je me désabonne directement? Oui. Oui. C'est méchant. Bon. Ouf. Oh. Il est pas beau, mais. Il... Ah, c'est Tinder. Oh, oh. Attendez les coups de cœur. Zou, il est riche. Ouais. Ça va. Reine, ouais. Ça dépend lequel c'est. Ouais, les deux sont moches. Oh. Mais c'est l'autre. Un artiste un peu, non? Ouais, on dirait un peu un petit coup là. C'est un artiste. J'adore. Oh, j'adore. Oh. Il a 46 ans. Je crois que je vais me laver les dents là, parce que vraiment la laine. Oh, je suis mauvais fils, c'est une mort prochaine.
On dirait le début d'une vidéo porno. Ah non, ça va devenir une folie. Attends, c'est trop, c'est encore trop haut. Sur la plage abandonnée. Ok, j'ai cru que ça c'est. Bon, on fait quoi maintenant? L'amour. Tu sais que ma mère elle regarde ton vidéo. Coucou, Seb. Est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue? Il est le plus monsieur le plus instant de notre TER. Ne filme pas, ne filme pas. Ah bon? On n'est pas prêt. J'ai reçu des messages dans la nuit. Ah bon? Oh là là. Ah bon? Oh là là. De qui? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Ah, faut que je fasse un vœu. Ah bah oui, je me soufflais. Oula. Je voudrais avoir mon permis de conduire. Non. Ça fait pas partie de mes vœux. Ouh. Bravo. Well, I love you, babe. Run away. Just a little taste. No, I love you, babe. Anniversaire, joyeux anniversaire. Make a wish. 2, 1, ignition. Bravo, chérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a croqué directement. Nathan. On dirait qu'il est fun dans Stranger Things. Il est bon. On est dans Bob l'éponge, c'est le Krusty Krab. Je dis que je mangeais pas beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est loupé. C'est loupé. Le gars. Je fais un clip. Fais un vœu, hein. Manger mes wraps un jour. Ouais. T'as 22 ans, le 22 juillet 2022. Oh oui. La caméraman. Bon, allez, c'est bon. Un mot. Caca, quoi. Pas de mots, pour vos fans. Hello à tous, je vous montre mon super truc. Faites-nous un vlog. Today, let's go, bitch. Alors celui-là, on le rachètera pas parce que il est piqué la zazette. Pour qui, toi, là? Attends, je peux pas. Eh, hey, elle est plus douce que toi. Non, ça, l'autre, elle la tape, regarde. Eh, hey, hey. Arrête. Frappe pas, wesh. Tu vas voir ta part. Ah, hey, doucement. Ah, elle m'a léché la main. Moi, je préfère toi, t'es plus gentil, toi. Ouais, de ouf, elle est hargneuse. Toi, t'es une pétasse, l'autre puce, là. Il a une piqûre de moustique qui s'est infectée, ça y est. Un obus. J'ai pris un obus. Et l'infirmière, elle a plus rien. Elle a plus rien. Elle a plus rien pour soigner les patients. Regarde, parce que regarde, c'est concentré maintenant. Regarde. Je sais même pas quel jour on est. 22 août. Oh, le 22 août, déjà. Regardez, ma mère. Salut, ça va et vous, voisine? Bien, bien. Surtout que demain, on part dans la nature avec Lison, Apo et Bobo, quoi. Mais là, je vais aller boire du café ou du jus d'orange parce que j'ai la tête en fiac. Ah, ah, j'ai bloqué. Ah, ça fait peur. Toute la rue m'a entendu. Ça fait peur! Oh, je vais venir sur lui. Hein? C'est cute, cute, hein. Sympa! Oula! Il est en train de jeter nos jouets. Tu vas pas jeter? Non, je donne. Oh, quoi? Là, y a plus rien. Là, c'est tout vide. Les boîtes sont. Bon, alors, que je vous explique. En gros, Matou, the one and only Matou, fait une soirée samedi soir pour son anniversaire. Thème Astérix Obélix, genre Cléopâtre édition, genre.
savez, Égypte édition, je sais plus comment on appelle ça. Et donc, il faut trouver un costume. Bon, très clairement, les costumes de tout le monde, ça va être, bah, tu vois, genre, Égypte, Cléopâtre, César et tout. Mais, je me dis, j'ai pas envie d'être César ou Cléopâtre, parce que j'ai pas. Genre, j'ai pas de touche. Je pourrais mettre un plaid, mais j'ai essayé, c'est moche. Je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Au début, j'étais parti pour me déguiser en menhir. Sauf que techniquement, il y a pas de menhir vu que c'est en Égypte. Donc, je vais me déguiser en pirate. Je vais me faire une pyramide autour de la tête. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ce sera beau. Mais. J'y crois. Désolé, j'ai un peu de dette, ça. Et là, je mettrai ma tête, quoi. Pardon. Sauf que là, j'ai mal coupé. Genre, il y a un écart, il y a un trou. Du coup, bon. Est-ce que c'est sec? Ah non, c'est pas trop sec. Bon, je suis flou! Du coup, ma pyramide est sèche. Maintenant, je vais faire avec un pinceau bisou. Avec de la peinture dorée, je vais genre faire des lignes. Mais je pense qu'il est trop épais, mon pinceau. Putain, il y a trop de contraintes, c'est dur en fait. J'aurais dû acheter un costume comme tout le monde. Je vais encore passer pour le con de la soirée. Hein. Fais-nous un clip, fais-nous un clip. Je vous ai pas du tout montré, mais j'ai avancé mon sac pour demain. Du coup, on part demain à midi. Voilà le sac. C'est le jour J. Il est midi 30. On avait dit on part à midi. Bon, il y a eu du retard de tout, vraiment tous les côtés. On était tous en retard. Donc, midi 30. Mon sac est fait, comme on peut le voir. Il est fermé. J'ai juste à rajouter mon chargeur dedans. Mes lunettes de soleil sont mises. J'ai peur un peu. Tu sais que maintenant, à chaque fois que j'écoute Philippe, elle est inquiète. Elle a peur que tout ne rentre pas. Pauline. Je vais pas rentrer. Finalement, en fait, je vais courir derrière la voiture. Je suis dans une pile de. Des gros déchets à l'arrière. Si tu veux, je peux vous décaler un peu parce que moi, j'ai encore de la place. Ah, je veux bien un peu parce que j'ai un peu. Oui, maman. On arrive quand? Je vais te faire pipi. On arrive quand? Ouvre ta gueule. On est des godards. Ah, viens, on fait comme Lena situation. Genre elle passe la tête par la fenêtre. Et genre il y a un poteau de son mode d'électricité comme ça. On va faire J'ai camping. Les courses avant. On était vraiment les connards quand on a organisé le camping à dire bah, par contre, comment on va faire pour boire notre café le matin? On prend des cafés dégueulasses. On aura la chiasse à peau. Ça va pas nous réveiller, mais. Attends, Luc. On est arrivé dans le camping. Le mec de la réception s'était éteint. Mais j'ai. Enfin. Ils sont déjà prêts, mais je. J'ai pas vrai. Vous êtes un groupe de jeunes, ça joue pas en votre faveur. Ouais. En fait, il était raciste des jeunes. Elle nous fait un all try-on de la tente. Fais-nous un house tour. Bon, ici nous avons deux rats. Non, alors, je vais vous faire rentrer chez moi. Elle nous fait vraiment. Donc, on a les chambres. Nous avons. La chambre la suite nuptiale. La suite nuptiale. On a la chambre de noces. C'est très white. Et ici nous avons la tente. Très vieille, mais elle est trop efficace. Elle a critiqué ta tante. Très c'est moche. C'est plus le bordel, genre il y a plus elle est beaucoup de. Plus cocooning. Ouais, de ouf. Il manque plus qu'une guirlande et elle est trop bien. Elle donne envie de dormir dedans. Je viendrai avec vous. Et là-bas, nous avons la cuisine. Avec notre homme de maison. Je prépare les poivrons grillés. Et ici, c'est les toilettes. Je vais voir où ils sont là. J'aime bien. Inverse le temps. Moi ce qu'il m'a pris. Mais elle nous décoiffe notre. Sinon moi j'ai un peu envie de chier. Non, moi j'ai trop envie de chier pour de vrai. Bonsoir. C'est le dernier soir que vous voyez cette image. L'objectif il est humide et tout. Donc nous sommes dans la tente. Regardez. Notre petit espace cocooning. Par contre les voisins sont un peu bruyants. On s'en fout de tes crottes de nez. Hein? On s'en fout de tes crottes de nez. Nous on va faire la. On a notre café. Bien raison. Il reste plus qu'à goûter. Et attention, le meilleur pour le milieu, la rhubarbe à la vanille de Flavignero. Oh. Faites par mes parents. Oh. On est perdu dans la forêt. Non, en vrai, on n'est pas trop perdu, mais un peu. Très honte, ça les gars. C'est du Spielberg. C'est vraiment les panoramas de Daron. C'est quand même
Mimi cutie cuta. Ah ouais. Là, ça me plaît. Du Charolais, donc à Saulieu avec. Je voudrais passer un petit message. Et bien sûr, allez-y. Bon, alors je voudrais embrasser mes enfants, les conjoints de mes enfants, mes petits-enfants et ma copine Roselyne qui doivent sûrement écouter et bien rigoler. Ah, la star. C'est une star. Soirée pyjama. Mes copines. J'ai déjà fait l'amour. J'ai déjà fait la sodomie. Sodomie. Mais casse-toi là! On se croirait dans le Roi Lion. Sympa! Qui c'est qui a pété encore? Oh, vous regardez mal. Quoi? Oh là, celui-là. Hein. Parlez-nous anglais. Hello. What is your name? My name is Nathan and you? Nick. And you, Patrick. Very good. Oh. Thank you. And you? Thank you. Hein? Comment je vais? Ça vous regarde pas, ça? In English, please. 12. Oh, 12 si on veut, hein. Bah oui. Formidable. Wonderful. And you, Patrick, because you are the manager for Annick, you have to speak about her. What? Thank you for his... Non, mais je te demande pas de répéter. Very, 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 very good. Pas net, Nathan, hein. Ben, voilà. Après, il me dit... Pour ceux qui regardent ça, je vous... Changez de chaîne. Vraiment, je vous tire mon chapeau de supporter un énergumène pareil. Bisous à tous. C'est tout pour le moment. Nous, on n'a personne pour nous arroser nos plantes. La pauvre va lui rester sous la table. Dans une cuvette d'eau. I am bouleversing. Vous voulez que je vous fasse une musique? Jeune Renoir sauvage. Elle a du sp dans l'œsophage. Je fume de gros boules. Le trio de débile. Super mal au tibia, au genou et à la hanche. Parce que, en gros, bah, du coup, la soirée où vous savez, j'ai fait un costume de pyramide, la soirée de Mathilde. Plus communément appelé Matou. C'était d'ailleurs une très bonne soirée, Matou, si tu passes par là. J'ai juste eu un revers de karma. En gros, j'ai poussé quelqu'un dans la piscine. Et puis, bah, on m'a poursuivi pour me pousser dans la piscine. Sauf que je ne voulais pas tomber dans la piscine parce que j'étais habillé avec des téléphones et d'autres choses. Et en fait, en courant, j'étais bourré, quoi. J'ai pas vu qu'il y avait un tas de pots de fleurs. Et bah, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. J'ai trébuché dans tous les pots de fleurs. J'en ai cassé quelques-uns par la suite. Matou. Je m'excuse, et la grand-mère de Matou, je m'excuse. Et en fait, je suis tombé. Je crois que cette personne aussi est tombée avec moi. Je me rappelle juste d'être tombé, avoir mal et me dire ça va. Et me relever, c'était mouillé, il y avait de la terre. Et après, j'ai sauté dans la piscine parce que je savais que j'allais finir. Mais du coup, là, du coup, depuis, j'ai genre des bleus et tout, et ça fait super mal. Et là, du coup, comment je vais chauffer l'eau? Et là, bah, je rentre de vacances, il y a littéralement rien dans mon appartement. Je peux pas dire ça parce que mes parents, ils vont croire que je mange pas. Je suis en train de faire du montage, il est 3h31. J'ai juste un mot à dire. Certaines personnes, vous m'impressionnez. Et pas dans le bon sens du terme, hein. Purée.